N'attend les dirigeants à la allié Ariel Henry jusqu'à déclaration ça. Maître Renaud Georges qui t'a parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Nous-mêmes, dans ALA, Alliance pour la Libération et l'Avancement d'Haïti, après concertation, nous vignons que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas eu aucune raison pour aller à Miami aller rencontrer les gens qui peuvent investir dans le pays, alors que le pays a feu et à sang. L'élevé du parti pour un groupe de monde a dépensé quoi pendant que un bon employé l'État qui va toucher, les gens dans grand goût et l'a fini Miami. Alors que les gens qui peuvent investir dans le pays, gagné représentant l'État qui te qu'à rencontrer avec eux. Gagné consul Miami, nous gagné ambassade de l'autre bord qui te qu'à faire un coup de pied à l'histoire avec nous. Et puis tout, qui paye que nous avons fait une bonne comme nous mettre là dans l'État pays ça y est là avec une sécurité, cap touillé, cap raché, cap brisé, au lieu à y mettre sécurité dans le pays. Pour les chita, les pas occupés à faire, peuple haïtien, ça, l'autre bagarre là pour qui paye. Et allez voir si c'est vrai, t'as gagné quelques monde qui te besoin d'investir dans le pays. Dans qui pays, dans ce pays, ça est là. Bon, moi, je crois que c'est seulement le monde fou qui a dit qu'il vient mettre là avec mon là. Bien que nous-mêmes, là, nous sommes bien contents. Oui, il y a un bon investisseur qui vient investir dans le pays. Les conditions ne sont pas remplies. Donc, nous-mêmes, nous pensons que le Premier ministre a passé le pays à la risible. Parce que ce n'est pas affaire pour nous, monsieur, j'en vais occuper. Coucou, bagaille, dans le pays étranger, il est en prononcé. Mais affaire Haïti, jamais dit rien. Mais des manifestations qu'on veut jouer dans tout le pays, il n'y a pas pipé mot. C'est comme si il a dit, ben, ça n'a pas dit là. Il va regarder, mais il va avec nous. Donc nous-mêmes, nous condamnons à juste pour ça. Le Premier ministre a montré réellement qu'il n'est pas à la hauteur des fonctions qu'il a remplies. Maître Noël Georges, à la CEUN signataire, à quoi 11 septembre, nous faisons un constat d'échec sous bilan Ariel Henry, Premier ministre de facto. Est-ce que, en clair, à la prend distance li? À la retirer l'école à quoi 11 septembre après constat d'échec ça? C'est une très belle question posée. C'est que nous-mêmes, dans Allah, nous signons un accord de bonne foi. Mais Ariel Henry lui-même, il veut qu'on jamais appliquer pour un accord. Nous toujours posé toutes nos questions. Et c'est ça fait toujours à marron pour nous. Si je participe deux fois nos activités avec Ariel Henry, il n'y a pas trois. Une fois, moi, c'est nos réceptions. Une deuxième fois, c'est là, je t'ai voulu rencontrer avec M. Dame Montana. Qui t'est venu, je t'ai allé. Après ça, je ne sais pas si je suis. Donc, est-ce que je suis un accord avec un monde qui est marron pour moi et je ne sais pas si je suis. Je dis que non. Et ça, je là. Moi, je dis déjà, à haute et intelligible voix. Donc, pour moi-même, c'est pour Ariel fait place nette. Pour Afel, c'est pas qu'on côté pour le déposer. Déposer à même le sol, sur le pavé. Parce que Ariel, m'a dit, c'est misé, peuple là. D'accord? Nous-mêmes, nous pas qu'à, non, je vais y voir ce cachet, mais.